qui a émergé dans la préparation de notre table ronde. Et donc moi j'ai pris quelques notes parce que c'est une question à laquelle je n'avais pas forcément réfléchi avant. Quel public pour le Théâtre Forum? Il y a plusieurs modes d'intervention, comme on l'a dit, au niveau du Théâtre Forum, et notamment, moi je distingue principalement deux formes, celle des pièces de Théâtre Forum, dont on a parlé, et celle des ateliers, qui est à ce moment-là un outil de formation ou un outil pédagogique. Donc la forme est quand même différente, et là, en parlant de quel public, moi je vais parler uniquement du public des pièces de Théâtre Forum et non pas des publics susceptibles de recevoir une formation au Théâtre Forum comme nous on l'a fait par exemple pour notre compagnie, pour les moniteurs éducateurs par exemple. Très engagé et à un moment donné il était au summum de son travail, donc il y avait la musique, il y avait les lumières, il y avait des comédiens qui jouaient extrêmement bien, donc il était extrêmement convaincant. Et à un moment donné, le public il dit « Mais vous avez raison, il faut prendre les armes, parce que c'est la situation là-bas, c'était ça. » Et le lendemain, il vient et il dit « Bon, alors on est prêt, rendez-vous 15h, on y va tous ensemble, quoi. » Donc Auguste Boal, sa troupe, etc. Et là, s'engage une discussion avec, cette personne qui était en public, qui a été convaincue par la proposition unique qu'on fait des fois en théâtre, on va dire, classique, en théâtre engagé. Et là, Auguste Boal, il fait « Oulala, mais moi je suis artiste, j'ai pas du tout envie d'aller me battre avec des armes. » Et du coup, la personne qui dit « Vous avez bien des armes sur scène ?»« Non, mais c'est des armes en plastique, moi je... » Et ça lui a permis de se rendre compte que les solutions qu'il proposait, c'était pas à lui les proposer. Ça rejoint ce que tu dis, c'est que c'est les personnes qui elles-mêmes vivent l'oppression qui doivent trouver leur propre solution. Et le Théâtre Forum, le théâtre de l'opprimé, est cet outil-là qui doit, si on le met bien en jeu, réussir à ce que chacune des personnes qui sont là en spectateur deviennent spectateurs et se nourrissent de toutes les situations que chacun, toutes les solutions que chacun pourrait donner à un problème et qu'elles soient véritablement possible d'être mise en œuvre, parce que si nous on le prépare avant et qu'on dit ah la solution c'est ça, bah, en fait on se trompe parce qu'en vérité on a une solution pour les autres mais qui n'est pas véritablement pour les autres puisque c'est nous qui l'avons pensée. Je sais pas si c'était clair, mais cette petite histoire en fait nous permet juste de raccrocher sur l'historique et de se dire théâtre de l'opprimé c'est quelque chose, des fois on dit c'est inventé par Auguste Boal, mais on dit c'est découvert parce que petit à petit il a fait ses briques comme ça, et au départ c'était le public qui disait oui je voudrais que l'acteur fasse ça, il montait pas sur scène, et puis petit à petit on a vu que ça passait pas, la personne elle disait fais ça, mais l'acteur ou l'actrice faisait pas exactement, on comprenait pas, donc du coup il a dit bah, venez le public, venez, et c'est comme ça que ça s'est créé en fait, et donc c'est pour ça que ça reste aussi un théâtre qui peut encore évoluer.